Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme, parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je tourne ma veste. Je tourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de tous les partis, tous les propos. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Il y en a. L'état de droit en République démocratique du Congo, est-ce une utopie? Nous allons analyser cela sur ce plateau parce que l'état de droit, c'est aussi à donner l'équilibre à tout le monde, que tout le monde soit également dans ses droits, commençant par les privilégiés, les démunis et le petit peuple. Voilà, nous sommes la République démocratique du Congo, c'est votre émission 4 vérités. Pourquoi? Aujourd'hui, nous avons encore fait appel à M. Gabriel Mokia Mondembo parce que vous êtes sans ignorer qu'il était devant les cours et tribunaux pour réclamer ses biens, ses conflits parcellaires. On en parle sur ces plateaux. Il est là avec nous, M. Gabriel Mokia. Soyez le bienvenu. Très bien. Bonsoir à tout le monde, à ma famille, mon parti politique, militante et militant du MDECO. Restez toujours soudés derrière votre président. Un jour, nous ferons des merveilles dans ce pays. Un jour, vous allez faire des merveilles. Il dépasse au pouvoir et les autres se posent des questions. Est-ce que tous les militants de l'IDPS se retrouvent ou pas? Est-ce que le militant de MDECO vont aussi se retrouver? Ou soit c'est des promesses? Toujours. Voilà, président Gabriel Mokia, on commence avec le sujet qui vous dérange parce que nous sommes dans les pays où Félix-Antoine Chilombo Tshisekedi prône l'état des droits. Vos conflits parcellaires, vous étiez devant le Conseil d'État. Vous êtes à quel niveau? IDPS, c'est un grand parti politique où les militantes et militants œuvrent gratuitement pour atteindre leur but. Et ils ont atteint leur but. Petit à petit, ils vont se retrouver. Il y a les militants. C'est le seul parti où les militants viennent en âme et conscience. Hein? Le parti de Vienne n'est pas un parti où, avant de venir, il faut donner les transports. Non, non, non. Ça, je n'ai jamais vu ça depuis des années. Donc, c'est nous que l'IDPS, les gens adhèrent par la volonté. Mais oui, sans, oui. C'est ce que je demande aussi chez moi. Il faut que ça soit comme ça. Quand il y a une marche, quand il y a un meeting, venez, même avec 2000 ou 1500 en poche, et vous retournez chez vous. Donc, l'IDPS, c'est votre modèle. C'est oui, l'IDPS, c'est un modèle. Parce que moi-même, je suis avec les militants de l'IDPS. Ok. Donc, quand ceux-là qui n'ont rien, dès qu'ils se retrouvent avec moi, ils sont sauvés. Donc, évitez de parler de mal de l'IDPS. Mais les militants, là, ne se retrouvent pas. Mais ils vont se retrouver. Mais les grands noms du parti se retrouvent. C'est un parti qui a conquéri l'étendue du territoire national. Maintenant, il y a trop de postes. Il y aura des beaucoup. Mais il y aura des ceci. Vous voulez les décourager. Et même, ils ne sont pas découragés. Vous êtes toujours des Thomas, mais il faut éviter tout cela. Hein? Voilà, c'est parti politique de notre. Non, il n'y a pas d'inquiétude, ils vont se retrouver. Voilà, votre c'est dossier tout. Devant le Conseil d'État, vous êtes à quel niveau? C'est de la mafia. Ça, c'est fort. C'est de la pire mafia au Conseil d'État. Je vais vous surprendre ici. Il faut voir que quand on est juge, on doit juger les affaires. On doit juger les peuples conformément aux lois et conformément à votre serment.
Mais si le juge de conseil d'État commence à se comporter comme ça, vraiment, il est très difficile de compter avec la magistrature de notre pays. Ça, c'est le pire escroquerie. Vous savez que nous avions acheté les maisons à la vente publique. Voilà. L'acte de vente publique. Les trois actes de vente publique et aux achères. Signé par Père Soname, Massambo Mongandouyoki, requis par le tribunal. La veille, prenez ça, c'est vraiment important. Requis par le tribunal pour pouvoir vendre les maisons. C'est ce qui se fait tous les jours. La caméra est là. Voilà, la caméra à vie. Ça, c'est acte de vente publique aux enchères. C'est l'État congolais qui a vendu. Ce sont les cours des tribunaux et les conseils d'État qui ont vendu ces maisons. Okay. Alors, maintenant, ce n'est que normal. La société que l'État a dépossédée de ses biens s'est défendue devant les juges. Nous a accusé et il a gagné. On a annulé ses actes de vente publique au tribunal, à la cour d'appel. Mais nous avons acté cassation. Comme la cassation ne suspend pas l'exécution, et la société a commencé à revendre les maisons. Et nous, sachez très bien que nous avons acté cassation à la Cour suprême en ce temps. Si vous vendez, Ruben s'est dit, vous vendez à vos risques et périls. Même Jacques Boré dit, si les choses tournaient mal, qu'on annulait la décision, vous devez retourner tout ce que vous avez percé. Mais les droits, c'est quelque chose de meilleur. Ceux qui ont fait les droits. Mais même, ils compliquent les droits pour rien. Jacques Boré et Antoine Rubens ont expliqué, quand vous écrivez et ils viennent pour pouvoir mettre ça en musique, les doctrinaires, nous avions obtenu des certificats. En 1996. Merveille à Gouloua. Prenez ça. Nous avons obtenu trois certificats. On n'est pas à la radio, hein, on est à la télévision. Pour ces maisons-là, trois certificats. Montrez, s'il vous plaît, Président. La caméra est là. Montrez ces documents. Voilà. Ok, vous êtes en train de nous voir. Avons avec nous avons. Ouais, les certificats. Les certificats signés, ça, c'est la signature des procureurs de la Gombe. Okay. De 1996. Et voici le certificat signé le 26 juin 1996. Et l'article 227 de la loi foncière dit que le certificat, quand le certificat atteint 24 mois, ne peut pas être attaqué. L'inattaquabilité du certificat d'enregistrement 24 mois. Mais l'annulation. Donc, deux ans. Deux ans. Mais l'annulation des certificats par voie judiciaire n'annule rien sur le certificat. Sauf que si l'annulation est devenue effective au niveau des cassations, si on a confirmé l'annulation et vous perdez. Mais tel n'était pas le cas. Notre cas, au niveau de la Cour suprême de justice, nous avons gagné. La Cour suprême a annulé la décision. Donc nous sommes retournés au pristine état avec un non-certificat d'enregistrement. Vous comprenez? Maintenant, on a trouvé des voleurs. Vous avez retourné dans vos droits. Mais oui. État initial. L'état initial. Okay. Maintenant, on a trouvé sur le terrain, pendant notre restauration, on a trouvé les voleurs là-dedans qui ont acheté la maison, je ne sais pas c'est qui. Les voleurs, Yangou Ikasanji, le gouverneur de la banque, il y a Madame Siaparona. Ouais. Ils ont aussi acheté. Et notre ici, c'est Unicorp. Ils ont acheté parce que tout ça, ce sont des hommes forts du régime passé. Mais le régime passé avec Kabila, il a déjà restitué les maisons. Je ne peux pas parler du mal de Kabila ici. C'est impossible. Il a ses défauts. Il a montré ses qualités dans cette affaire. Il a demandé qu'on restitue à moi qui a ses biens. On a restitué par le ministre, le premier ministre, qui s'appelle Sami Badibang. C'était fini. Vous avez sa lettre, vous avez les documents. La lettre est restée là. Ok. Mais on est allé nous restaurer, on a trouvé ces gens qui refusaient de sortir. Et au même moment, nous avons saisi le ministre des Affaires foncières. Nous avons dit, voici votre agent, le conservateur de la Gombe, mafiataire, celui qui couvre les maisons des malfaiteurs de la Gombe. Il a établi des certificats en violation de l'article 231 alinéa 4 de la loi foncière.
C'est-à-dire que si les jugements ou les certificats n'avaient pas acquis l'autorité de la chose jugée, c'est-à-dire confirmé par la Cour suprême ou aujourd'hui la Cour de cassation, vous ne pouvez pas établir un certificat. Mais le conservateur, il s'est attêté, il a établi des certificats moyennant l'argent de Mweka Sanji et de tous ceux que vous avez signés. Le ministre des Affaires foncières, il a rappelé à son agent par cette lettre. Il a dit, vous avez violé, je suis le dépositaire de la loi foncière. Chaque ministre est le responsable de son département. Mon département, c'est les affaires foncières. Vous ne pouvez pas prendre, violer la loi que nous sommes censés protéger. Vous avez violé l'article 231 alinéa 4, l'article 204 et l'article 205. Ça, ce sont des infractions. Alors, ces gens que vous avez cités, ils sont allés attaquer la lettre au Conseil d'État. Mais ils n'ont pas attaqué cette lettre. Cette lettre n'a pas été attaquée. Ils ont attaqué une fausse lettre inexistante. Ils ont attaqué ici, vous voyez. Ça, c'est requête en annulation de la lettre du ministre des Affaires foncières. Pour caméraman. Ok. Requête en annulation. Ils ont attaqué une lettre 0048. Voilà. La lettre qu'ils ont attaquée, c'est ça, 048. Une fausse lettre qui n'existait pas. Cette lettre, quand ils ont attaqué, nous avons présenté nos moyens. Nous avons dit, non, c'est pas ça la lettre. Mais le juge, sous référé, s'est prononcé à la base de la fausse lettre. Ah, et s'est prononcé. Il a accrédité la thèse de la fausse lettre. Où c'est tout ça? Attends, je vais retrouver. Il a ordonné la suspension de l'établissement des certificats à notre nom. Voilà, vous comprenez que sur ce plateau, je suis avec le président Gabriel Moukia. Vraiment, ce problème a tellement duré. Mais ce qui est vrai, c'est que le président Joseph Kabila, à son temps, il avait compris que Gabriel Moukia avait raison et il avait donné l'instruction au premier ministre Sami Badibanga de lui retourner dans ses droits également. Il y a aussi Tambo Mwamba qui avait aussi signé une lettre pour que Moukia rentre dans ses droits. Le nouveau président également, il lui a remis une maison, mais il y a aussi d'autres maisons qu'il a les arrêts, mais il n'arrive pas à entrer en possession de ces maisons parce qu'il y a les hommes forts, selon lui, il nous explique, parce qu'il était devant le Conseil d'État. Évoluer, président. Bon, voilà. Ça, c'est la requête qui a attaqué la lettre 048. Et avec ça, ils ont tiré sur la requête et quelques éléments dont ils se sont formulés sur référé. Voici le référé RO 90 au Conseil d'État. Ils ont attaqué la lettre inexistante 048. Vous comprenez? Bon. Et les juges du référé, trois juges, ils ont rendu trois référés. Bon, je crois qu'ils ont vu l'argent de Ngweka Sanzibak, Satra, les consoles là, ils sont tombés amoureux d'argent. Parce que ce qu'ils faisaient, ils savaient très bien que ce n'est pas ça la lettre. Mais on les a donné raison. On a demandé aux conservateurs de bloquer et puis l'exécution en attendant s'ils le font. Est-ce qu'on peut avoir des juges conscients qui s'y connaît dans la matière, qui Mbongo. À la base. Il y en a, mais c'est difficile. Il y a des juges conscients, mais beaucoup. Les 80% des juges ne sont pas conscients. 80%, parce que voici ce qu'ils ont fait ici. Donc, si vous avez l'argent, vous pouvez arracher la raison de l'autre, ouais. Et vous en faites votre raison. C'est pourquoi moi, je suis hâté de souffrir. Parce que je n'ai pas des millions comme eux. Et ils peuvent donner 200, 300 000 dollars comme ça facilement. Parce que comment un juge de référé peut tracher sur base d'une lettre inexistante? Comment vous dites que la lettre là, elle est inexistante? Parce que vous n'avez pas connaissance de cette lettre? Moi encore des arguments. Non, la lettre n'existe pas. La lettre là, 048, n'existe pas. Maintenant, je vous fais voir que cette lettre n'existe pas. Mon avocat, Maître Mbou Neletang, il a écrit au ministre
ministre des Affaires Foncières. Molendo Sakho. Ah, vous dites, précisez-nous la lettre 048 que vous avez écrite pour tout ça. Le ministre qui répond, voici sa réponse. Le ministre Molendo Sakho. Le ministre attitré. Attitré. Il répond à mon avocat. J'accuse réception de votre lettre mieux spécifiée, si vous adressez au conseiller juridique dont le contenu lui avait été répercuté, c'est dont je vous remercie, il dit à mon avocat. Il faisant, je vous informe que dans le cadre de l'affaire qui oppose M. Gabriel Moke et Sengo et Kassanji, la société Sogemip et Consort, il n'existe pas au ministère des Affaires Foncières des lettres sous 048 et tout ça du 12 octobre 2019. Par contre, les numéros d'enregistrement 048 évoqués dans votre précité correspondent au numéro de la lettre numéro 0048, cabinet ministre et tout ça du 25 septembre adressé au secrétariat général du conseil permanent de la comptabilité au Congo. Veuillez agréer. Mais c'est compliqué. Ça, c'est Molendo. Ça, c'est le ministre qui a la connaissance de chaque lettre et des numéros. Vraie lettre du ministre, c'est ça. Maintenant, ils ont rendu une décision sur base d'une lettre inexistante. Le ministre a titré les connaissances. Ah, mais ils ont bloqué les référés. Dit que il faut qu'on aille sur le fond. Maintenant, si on parle sur le fond, comme ça, moi qui a. S'il gagne, on va établir. Non. Mais on va aller. Je ne sais pas. Il n'y a pas une lettre. Donc, rien n'a été bloqué. Les juges ont seulement bouffé l'argent. Mais on les a rendu un service sur base de la requête d'Ngoué Kassanji et la requête référée. La requête de 048 de la société Sogemip. La société l'a fait aussi une requête de Siaparona avec le même numéro 048. Une lettre qui n'existait pas. Parce qu'il y a eu un avocat jongleur qui a pris tous les dossiers de quatre personnes, même la banque centrale, c'est toujours le même avocat, qui est tenté de jouer les épaules. Lui, il a dit que je vais prouver à moi que je vais lui arracher ses maisons. Partout, il dit ça. Il estime qu'ils ont la vérité. Alors, décision portée par la lettre. Donc, décision portée par la lettre du ministère des Affaires Foncières numéro 0048, cabinet ministre. Ça, c'est Siaparona qui écrit au Conseil d'État sa requête. Requête en annulation d'une décision prise par une autorité centrale. Le numéro 048. Alors, Siaparone avec Sogemip ne se sont pas arrêtés là. Ils ont fait les référés. Ils ont fait les référés pour bloquer l'exécution. Le même référé est tombé par le même juge. Si la même lettre, la lettre 048 qui n'existe pas. Et cette lettre, comme la lettre n'existe pas, on m'a bloqué maintenant gratuitement. Où se trouve cette lettre? Ah voilà. Oui, c'est ça. Voilà, la lettre est là. La lettre numéro 048. Là où je suis. Prenez vraiment cette lettre. Ouais, 048. Hein? La requête de Siaparona et la société Sogemip, une société floue. Alors, voilà. Maintenant, les deux parties ici, 3, 4, ils ont gagné des référés. Ils m'ont bloqué pour qu'on ne puisse pas établir les scènes. Donc, ça dit que ça n'existe pas. Le conservateur doit nous établir dans nos droits. Parce que la lettre du ministre ici, quand nous avons soulevé les moyens, après avoir rendu les référés, maintenant, ils sont allés faire encore une autre requête, 260 et 228. Mais non bis, non idem, parce qu'on ne peut plus revenir si une requête est déjà tranchée. Donc, au moment où je vous parle, le Conseil d'État nous a mis dans l'embarras, dans une situation. Mais il faut payer cher. Moi, je vais introduire des procès contre eux. Je vais introduire des procès contre eux. Parce que, maintenant, quelle est la lettre réellement qui nous bloque? Il n'y a pas une lettre qui nous bloque. Molendo Sakombi, il dit la lettre n'existe pas. N'existe pas. Mais le Conseil d'État tranche par rapport à.
à une lettre qui n'existait pas. Donc, après maintenant, le Conseil d'État est dans la mafia. Le Conseil d'État est dans la question, je n'affirme pas. Et dans la mafia, non, c'est moi qui affirme, mais dans la mafia. Mmh. Je vous ai fait lire la lettre. Si on vient vous poser la question, tu me dis, moi je t'apporte les preuves. Okay. On va là-bas, bon, cette lettre, ça existe où? Il n'y en a pas, mais vous avez traché. Et puis, et même là-bas, les gens du Conseil d'État, au Conseil Angweka, Seigneur Conseil, allez-y, faites notre requête au numéro 098. La lettre ici, c'est 098. Mm-hmm. La lettre de Molendo, la vraie lettre 098. Mm-hmm. Mais cette lettre n'est pas attaquée. Maintenant, pourquoi nous, on doit traîner au lieu de récupérer nos maisons? Ah non, la vie vraiment, les hommes forts, les gens qui ont de l'argent, hein, ils sont tentés de jouer avec les peuples qui n'ont pas l'argent. Comme moi, on me bloque partout. Là où je peux prendre mon argent au ministère des Finances, on me bloque. Là où je viens ici dans mes affaires, on me bloque. Maintenant, il a c'est déjà sur les réseaux. Oh, Mokia, toi, tu fais la politique pour les maisons. Mais ce sont mes maisons. Si tu n'as pas la, si tu n'as pas l'argent, comment tu veux payer une émission? Et même si je ne passe pas 3, 4, 5 jours dans les médias, maintenant, oh non, il est corrompu. Il a eu l'argent, maintenant, il a abandonné le peuple. Oh, mais maintenant, le peuple ne peut pas voir Mokia. Je n'ai pas l'argent pour payer une émission. Mais avec mes biens que j'avais investi en 1996, ça peut me permettre de payer des émissions, de payer les transports pour que j'arrive à la chaîne en Binja, ou bien chez vous, à Matongé. Mais il faut que je vienne même avec un taxi. Mais pourquoi seulement Gabriel Mokia? Pourquoi seulement Gabriel Mokia? Parce que vos maisons, c'est des maisons tellement trop secrètes, ou soit parce qu'il y a une main noire derrière, une main noire politique qu'on veut vous nuire. Ou soit c'est parce que vous êtes rancunier avec les gens, on vous dit ça va, il faut tout ce qui sert. Ah, rancunier, j'ai pris quoi? Je n'ai rien pris. Moi, je n'ai pas de problème avec les gens. Qui me voit ici? Les gens ne me voient pas, c'est eux. Hein? Moi, je connais la mentalité des hommes politiques. Si tu n'as rien, reste chez toi. Moi, si je n'ai rien, je suis chez moi à la maison. Ou je suis dans mes bureaux. Comme j'ai deux bureaux, bientôt j'aurai le troisième bureau qu'on m'avait chassé. Donc, je reste chez moi, il n'y a personne qui me verra. Et j'ai beaucoup d'amis avec qui on a œuvré à l'opposition. Ils sont des ministres, ils sont ceci. Je les ai beaucoup aidés. Il y en a qui ne pesaient même pas. C'est grâce à ma figure qu'ils avaient commencé à peser. Mais ils ne me voyaient pas. Mais si moi j'étais ministre, tous ces gens-là pouvaient venir chez moi devant les difficultés, je peux les résoudre. Moi je ne me promène pas chez les gens. Parce que je connais que si vous commencez à fréquenter les opposants, les anciens opposants qui sont au pouvoir, vous serez ridiculisés. Alors j'ai compris, je vis de mes propres investissements. Mais ces investissements, vous allez avoir la colère contre moi ou vous voulez me combattre. Pour moi, comme tu as ta montre là, moi je dois seulement te combattre pour faire quoi avec ta montre? Quand je parle, ça c'est la montre de Kassongo. Mm-hmm. Mais présentement qu'à toi, hein, papa comme ça de 65 ans, tu prends la montre d'un enfant. Comment je vais me justifier? Et toi, si tu commences à crier, oh, ma montre, c'est le président Mouké qui a pris ça. Est-ce que même chez moi, à la maison, on va autoriser que je rentre avec cette montre-là à la maison? Non. Ma alors, famille va arracher la montre pour te restituer. Alors, président Mouké, ouais. Vous soutenez Félix Antoine Tshombo, tu sais qui dit on est à l'état de droit. Mais vous êtes dans l'état de droit, mais vous plairez devant cet état de droit. C'est entre la nuit et la journée. Vous, c'est mal connaître le président de la République. Parce que moi, je vous attends. Quand nous venons faire des émissions, évitez aussi le nom du chef de l'État. Le chef de l'État, il est comme... Je parle de l'État de droit. Non, non, non. Je parle pas de la lui, il est comme Dieu de la terre. Mm. Respectez Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur et ta pensée. C'est la même chose, je dois respecter un chef de l'État élu de la même façon. Ce n'est pas à cause de ces maisons de l'histoire, il faut citer son nom. Non, laissez-moi me battre. Et comment même le président de la République qui se soutient saura que moi qui est fort aussi. Mais laissez-moi un peu me battre. Parce que vous ne savez pas le... que le Conseil d'État est dans les mafias. Mais le chef de l'État, je vais déjà accuser ce juge au Conseil supérieur de la magistrature. Il est le garant des bons fonctionnements des institutions. Donc, ce qui veut dire, il doit avoir l'œil regardant pour que le peuple qui est Gabriel Mokia retourne dans ses droits. Est-ce voilà que je suis seul? Je suis seulement un seul Congolais. Il est le chef de l'État de toi, de moi, de tout le monde. Je ne suis pas le seul Congolais. Pourquoi? Il faut quand même avoir du respect vis-à-vis du chef de l'État. Laissez le chef de l'État travailler. Mais moi, je suis sur la bonne piste. Je vous ai montré ici qui est cet avocat ou juge qui peut venir me contredire, à moins que tu sois un juge de Conseil d'État. On ne peut pas vous contredire, mais vous ne rentrez pas dans vos droits. Non, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ouais. Vous savez, un chef de l'État, c'est quelqu'un de grand.
Il a les affaires à Ituri, à Bukama, à Yamaole, dans le Congo central. Il est dans les deux Kivu. Il est donc il faut pas l'amener dans des petites histoires d'une maison, d'une petite maison qui est là comme ça. Vous l'amenez le chef de l'État là-bas. Mais les services qui écoutent, les juges, les magistrats, c'est ça. Et maintenant, les procureurs, tel que je souhaite de faire une émission avec toi, il y a un procureur, près du Conseil d'État, il peut se saisir. Le procureur général, près la Cour de cassation, il peut s'en saisir. Une invitation à Gabriel Moka, venez nous justifier ce que vous avez parlé à la télévision concernant la violation de ceci, la lettre inexistante et ceci. Cela, je serais très content. Ce n'est pas, hein, pas aujourd'hui que vous passez à la télévision pour parler de... Mais ils ne peuvent pas venir raison. Parce qu'ils savent que j'ai raison. Si, vous appelle pas. Si j'avais tort ici, le procureur a déjà signé un mandat de comparution, un mandat d'arrêt contre moi directement. Mais comme ils savent que j'ai raison, ouais, même le procureur, tout sous ses thèses, même les juges, et tout ça, personne n'arrive à parler parce que comment toi tu peux me convaincre? Et pire encore, le premier président de la Cour suprême de justice avait écrit une lettre. Quand quelqu'un a acheté une maison à la vente publique telle que nous avons acheté, ce n'est pas la peine d'aller faire un jugement. Le président du tribunal de grande instance, il doit seulement signer une ordonnance accompagnée de réquisitions de forces de l'ordre pour chasser les gens comme les Ngoïkas qui sont à l'intérieur de nos maisons. Voilà, on n'arrive pas à les chasser. Mais c'est ça, non? C'est ça, mais il y a des interventions. Quand on veut signer une lettre, oh non, il y a la police. Et ta politique? Non, ça n'a rien à voir avec la police. Alors, sauf que une fois la police, on a signé des lettres, la police est allée voir ses frères et tout ça. Non, à Pana, Mokia, Kumungala et tout ça, j'ai compris. Cette fois-ci aussi, nous condamnons même à la pire ici. La pire, il doit aller chasser ces gens. Parce que c'est une combine. La justice, donc la police, c'est une combine aussi. Une affaire pareille, si c'était moi qui allais faire, aujourd'hui, j'allais me retrouver directement à Makala. Mais c'est pourquoi je dis, pourquoi les magistrats me regardent comme ça en train de parler des mensonges? Je suis en train de parler des mensonges à la télévision. Mais convoquez-moi! Donc vous êtes sûr? On me convoque, si ce n'est pas vrai qu'on m'arrête, c'est tout. Il m'arrête, c'est ma offense au chef de l'État. Tout ça. Maintenant, ici, il n'y a pas d'offense. Maintenant, c'est offense à mon cas. Pourquoi les magistrats ne se saisissent pas de mon dossier? Donc, j'ai accusé ces gens au parquet général. L'Ngweka Sanji, le Bac. La plainte existe. Tout ça. On m'a poireauté 12 mois jusqu'à ce que ces magistrats ont été mités. Le dossier est resté. Progrès général appelle la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Maintenant, il y a un magistrat qui m'a fait rire. Présent mon gars, tu as été dribblé chez nous. Vous allez. Vraiment, je suis mes procureurs. Vous êtes des champions de m'envoyer le mandat de comparution pour me retrouver. Dès que vous me lancez un mandat de comparution. Je ne rentre plus. Je ne me peux pas, je prends seulement mes serviettes. Je dis chez moi, bon, je m'en vais à Makala directement. Moi, j'ai déposé plainte. J'ai évoqué trois articles. Article 231, alinéa 4 de la loi foncière. Article 204. L'article d'un nul, tout certificat obtenu par les impératives et tout ça, tout ça. Un nil et tout ça. Mais je dis, mais le titre que l'Ngoka Sanjo a obtenu pendant que nous étions à la cour, pendant que l'arrêt de la cour d'appel n'avait pas acquis l'autorité de la société. Mais la loi foncière dit, ces gens qui commettraient de tels actes avec le conservateur, un agent de l'État, doivent être arrêtés 2 ans à 5 ans de prison. Mais tout ça, ils doivent être arrêtés. La loi est là. J'ai amené la loi même chez le procureur. Je suis descendu en bas. J'ai acheté un livre, Affaires foncières. J'ai annexé dans la plainte. La plainte est volumineuse. Dans comme votre ça. Dossier. Ah, j'ai annexé. Quand le procureur a vu, dit, mon cœur, vous avez annexé aussi un livre, j'ai dit. Pour vous permettre de bien lire. Le procureur est parti, le livre est resté là avec. Je ne sais pas si on va voler ça, je ne sais pas, mais le dossier judiciaire, on ne peut pas voler. Celui qu'on va attribuer le dossier, il va rire. Parce que je lui ai mis les livres. S'il comprend que j'achète un livre de droit, j'ai dit, je souligne, voici ici ce que la loi dit. Parce que je suis fatigué. Une affaire pareille. Comment moi, je peux rester en dehors de mes maisons pendant que les mafiateurs, les Ngweka Sanji, sont tentés de faire le Bundumba Babu Chanda dans mes maisons? Le gouverneur de la banque aussi a occupé votre maison. Mais écoutez, ils ne comprennent pas ce qu'on dit état de droit.
Et ils croient que tu as des droits, quand il y a l'argent, il faut amener chez les juges magistrats. Un jour, les magistrats vont commencer à arrêter les gens comme ça avec leur argent. Mais ce n'est pas possible. Ici, tel que je dis ici, qui est ce magistrat courageux qui peut me convoquer? Amenons-nous des référés que vous avez montrés à la télévision. Comme ça qu'on m'arrête. Donc, vous lancez défi, oui, aux magistrats, oui, à tous ceux qui peuvent intervenir dans votre dossier, qu'ils vous convoquent. Pour les référés. Pour les référés. Et les requêtes. Mm. Et la lettre du ministre de l'affaires foncières. Comme ça, ils peuvent présenter ça comme ça. Parce que les institutions, les décideurs vous suivent. Ça ne date pas d'aujourd'hui que vous réclamez. Mais j'ai bien de les lancer les défis. Est-ce que si on invite le gouverneur de la banque, ouais, Moïka Sange, mm, Madame Siaparona, et tous les autres, devant le cours des tribunaux, même en direct de la RTNC, vous serez capable de défendre ce que vous êtes en train de dire. Parce que vous lancez l'état de défi. Je hein? suis avec toi après l'émission. Demandez-moi, je vais vous donner tout ce que j'ai amené. Vous allez lire. Si vous voulez, je vous laisse. Vous allez vous-même au conseil d'état aller vérifier. Moi, je ne viens pas dire des mensonges. Dans l'État vous trompe. Je suis chrétien. Pas tellement l'État, ce sont les agents de l'État. L'État, mais les agents de l'État représentent l'État. L'État, c'est toi, moi, mmh, et les caméramans, mmh, et tout le monde, nous sommes l'État. Il y a des mais combines. Les combines, mmh, ça, ce sont des combines. Et puis, ils ont demandé, on a fait une erreur, ce n'était pas ça la lettre. Faites à quoi une autre référé ou faites à quoi une autre requête. Des requêtes. Mais les deux requêtes, là, c'est irrécevable parce qu'on a déjà tracé une fausse requête. non, les magistrats de mon pays pour l'argent, non, ils doivent. Moi, j'ai été tenté avec de l'argent ici au Congo. J'ai fait même des prisons puisque j'ai refusé l'argent. Je suis resté dans ma position. Et Dieu m'a vu. Il m'a visité en prison. Dieu m'a rendu service. Il a vu que Mokia est entré ici à cause de ceci, il est juste. Comme Joseph, quand il a refusé d'être avec la femme de son chef, et on a créé des problèmes par songe. Il a traduit ce songe, on l'a pris en Égypte, il était devenu le premier ministre égyptien. J'aime vivre de telles expériences. Que Dieu puisse me juger que ce qu'on a fait à Mokia, regardez maintenant, même moi j'ai dormi. Maintenant, aujourd'hui, je viens de me rendre compte que les juges m'ont escroqué et qui arrêtent les escrocs, maintenant, ils même sont des escrocs. C'est fort, hein? Ils ont tracé sur une lettre inexistante. Un juge, si c'est moi le décideur, nous pouvons faire le message à celui qui gère le Congo. Voilà, tel juge. Moi, tel juge, ils sont là-bas, trois juges hein, mm-hmm, au Conseil d'État. Odia, Kaungu et Mavung, les juges de la mafia des Conseils d'État. Comme ça qu'ils viennent discuter, parce que ce sont leurs décisions. Alors, ils ont rendu des... Moi, je suis allé plaider, mm-hmm, surtout la dame, elle est très méchante envers moi. Mm-hmm. Ah, j'ai dit, mais madame, vous pouvez être... Parce que Mavung, là, c'est ton ami, à tout moment, vous êtes ensemble. Pour... Comme lui l'a rendu, au lieu d'annuler sa décision... Et elle a confirmé la décision. Maintenant, elle aussi, elle est confirmée président au conseil. Voilà encore déjà pareil qui doivent être confirmés des présidents. Tous ces juges ici doivent être chassés. Donc, la dame parce que si on commence à chasser les juges mafieux, la justice va commencer à élever notre nation. Mais alors, Félix est dans des sales draps parce que la justice élève une nation. Si vous estimez que la justice au Congo... Ce n'est pas la bonne justice que vous voulez, donc on s'attend à rien. Là. L'exception ne manque pas. Il y a des juges qui sont exceptionnels. Devant un droit, on rend la décision réellement. Mais la 80% des juges ne sont pas sérieux. Parce que les dossiers tels que moi je souhaitais d'expliquer. Dans les 80% des juges au Congo. Ah, en tout cas, devant l'argent. C'est pourquoi je demande aux autorités du pays d'augmenter les salaires aux juges. Mettez-les devant un fait accompli. Ils touchent bien les salaires, ils sont bien rémunérés. Devant, maintenant, si un juge commet l'abus du pouvoir, directement, on le chasse. Maintenant, parce qu'il se justifie en bon, toujours, en bon, en mingité et tout ça. Ok. Moi, imagine-toi, on a révoqué 315 magistrats pendant le régime de choc et de Laura Désiré Kabila. Qui passait dans les médias pour le contester? Mais moi, je l'ai contesté à plusieurs reprises. Laura Désiré Kabila m'a arrêté. C'est lui qui m'avait arraché les maisons. Parce que j'ai dit que non. C'est qu'il refuse les activités des partis politiques qui étaient dictataires. Il a dit, ministre de la Justice, arrêtez-moi ce type-là. Et il a écrit dans son agenda 60 jours en prison.
60 jours pas. Les militaires et ses gardes sont venus jusqu'à Makala, ils sont entrés jusqu'à dans le pavillon 1, avant dernière porte à droite, en bas. Ils sont venus me prendre. J'avais 30 000 dollars emballés. Ils n'ont pas touché mes vêtements, ils n'ont pas touché mon argent, ni mon téléphone que j'avais. Le télécel est là, le long. On m'a amené de là, le directeur de la prison était toujours la bouche bée, il ne pouvait rien parler. Le chef de l'État avait dit 60 jours. Maintenant, c'est le 60e jour, le type doit sortir. On est allé me jeter où? Je suis allé me jeter en dehors avant d'entrer à la prison. Mais à gauche, là. Là où il y a l'école, on m'a mis là-bas, on dit, prenez un taxi, tu rentres chez toi. Si tu traverses là-bas, on va te tirer une balle. Moi, je dis, mais vous me tirez pour me mettre à la prison. Maintenant, moi, je me suis déjà habitué ici. Maintenant, vous venez encore me récupérer sans jugement, sans quoi, et tout ça. Vous me tirez dehors. Donc, si je rentre à la prison, vous allez me poser du tort. Je suis arrivé chez moi. Vous avez vécu des choses. Je suis arrivé chez moi à la maison avec des histoires. Là-bas, là où habite Mouéka Sange. C'est là où moi j'habitais. Je suis retourné là-bas. Les affaires ont commencé. Papa, qu'est-ce que j'ai dit? Mais ils sont venus m'arrêter. Mais cette fois-ci, on m'a arrêté à l'intérieur de la prison. On m'a fait sortir. Mais alors, ils sont m'avaient arrêté, on m'a fait sortir. Au lieu que les juges rendent des ils sont venus encore m'arrêter d'eux-mêmes. Cette fois-ci, les juges se sont. Sans rien du tout, on m'a amené dehors, partez. Il y a un taxi, il y a un type qui passait avec une voiture blanche comme ça, il a vu la scène, il s'est arrêté, mais c'est moi qui a présent, moi qui a, qu'est-ce qu'il a, je lui ai expliqué, il dit, attends dans la voiture, attends, mettez tes bagages, j'ai mis mes bagages, tout ça, d'autres bagages étaient tenus par les militaires, ils ont jeté ça par terre là-bas, moi aussi j'étais là, on m'a mis dans le véhicule. Le monsieur m'a amené jusqu'à chez moi à la maison. Les enfants et ma famille, tout le monde a commencé à rire quand je les ai racontés. Alors, quand on était venu m'arrêter avec des menottes, hein? Imagine, ça c'est tout. Moi, j'ai vécu des fausses arrestations qui n'ont ni tête ni queue. Donc, vous avez déjà attendu que non, moi qui est arrêté, il a fait ceci. Hormis ce qu'on dit, il a boxé quelqu'un, mais là, c'est 6 mois de prison quand il boxe quelqu'un. Mais pourquoi j'ai fait 3 ans et 6 mois? C'est parce que ces gens. Il y a une politique. Ces gens me trouvent un homme juste. Voilà un homme juste. C'est pourquoi, pendant mes arrestations, Dieu était toujours là, à tête de me protéger. Quand je dors, tu vois la lumière de l'Éternel. Les anges, surtout l'ange Gabriel qui porte mon nom aussi, il me protège. Je suis sorti, idem. Voilà maintenant ce que font les juges. Ils se sont contredits d'eux-mêmes. Moi, j'attaque et un procureur m'appelle. Donc, venez nous prouver ici. Donc, le chef de l'État avait raison de bouger un peu l'appareil judiciaire, de changer au moins des gens, mais il a aussi ramené les anciens, parce que nous sommes que dans la République, on doit travailler avec les produits qu'on a. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces choses changent? Parce qu'il n'y a pas que vous, il y a d'autres victimes à la maison qui nous regardent. Nous allons rester dans ce rythme chaque jour, la même musique. Ou soit, il faudrait que les choses changent d'une autre manière. C'est pourquoi les gens disent toujours, mais moi qui a, vous voulez le changement. Mais pourquoi toi-même, tu es tout le temps dans les médias, tu es de pleurer, tu es bien. Que le changement commence par toi. Moi, je dis, oh, mais laissez-moi lutter. Non, c'est moque de vous alors. Non, c'est normal, mais laissez-moi lutter. J'aime aussi comme ça. Comme ça, tous les jours, moi, je vais passer, ce sont les magistrats qui sont humiliés. Mais vous, c'est le chef de l'État. Alors, lui, il ne peut pas intervenir dans votre dossier. Je dis que, pourquoi vous voulez toujours... Toi, ta bouche, c'est toujours le chef de l'État, pourquoi? Mais vous le soutenez. Je vous ai dit vous ce le que... Vous le soutenez. C'est le chef de l'État. Il est avec moi dans l'opposition. Maintenant, je suis au pouvoir. Je peux quand même l'aider. C'est le commandant suprême. Et c'est le magistrat suprême. Il est là pour pouvoir... Et il est le garant de la nation, il est le père de la nation. Moi, je suis hâté de pleurer. Je ne peux pas l'obliger. Tout ce que nous faisons ici, c'est dans le Facebook. Tout le monde regarde le Facebook, regarde le YouTube. Mais laissez le président de la République. Ne croyez pas que le président de la République il n'est pas. Le président de la République il connaît tout. Même toi, il te connaît. Laissez le chef de l'État. Alors, laissez-moi me battre. Naza Mobali. Laissez-moi me battre. Il ne faut pas salir le chef de l'État. Il a beaucoup à faire. Il a beaucoup. Il veut notre bonheur. Laissez-les travailler. Les petites choses comme ça, nous avons le procureur près de la Cour de cassation. Nous avons
le premier président de la Cour suprême, c'est le de la Cour de cassation. Toutes ces autorités peuvent se réunir maintenant pour prendre une décision. Pourquoi c'est mal le chef d'État? Ils peuvent aussi écrire, lui réserver copie, que nous avons posé tel acte. Ça relève de la compétence des procureurs généraux après de la Cour de cassation. Parce que ces gens-là, ils peuvent leur poser la question. Ça, c'est le référé. Vous avez rendu ça si bas de la requête. Hein. Maintenant, la requête et le numéro est exact, inexistant. Qu'est-ce que vous réservez à Gabriel Moukemène? Parce qu'on doit établir le titre à mon nom, tel qu'a dit le ministre Molendo dans sa lettre. Maintenant, et que sa lettre n'est pas attaquée. Ça, c'est une autre lettre, une fausse lettre attaquée. Mais la fausse lettre me bloque auprès du conservateur. Et le conservateur, comme c'était mafiateur, il en profite. Ça, c'est le travail des juges, des magistrats, de suivre ce que moi je vous dis. Le travail des juges, des magistrats, mais il se pose un problème. À la Cour de cassation, on avait nommé des gens, mais ceux qui étaient là ont estimé rester. À la Cour constitutionnelle, on a encore nommé d'autres personnes. Donc c'est compliqué. Mais non, la Cour de cassation a des problèmes, la Cour constitutionnelle a des problèmes. J'ai suivi hier, on demande au chef de l'État un communiqué de la présidence, que le chef de l'État doit prendre acte de la démission des juges. Votre analyse par rapport à cela? Le chef de l'État actuel, c'est un homme légaliste. Il n'agit pas comme ça par contrainte. Il n'agit pas seulement par plaisir d'agir pour pouvoir embêter les gens. Le Conseil supérieur de magistrature, le Conseil supérieur de la magistrature, entendu, a donné 30 jours au juge d'aller se conformer à la décision prise par le chef de l'État, les nommant à la Cour de cassation. Mmh. N'est-ce pas? Mmh. On attend les 30 jours. Maintenant, vous voulez quoi? Le chef de l'État puisse faire le contraire de ce qu'a dit le Conseil supérieur de magistrature. Mais le comité de la présidence, on demande au chef de l'État de prendre acte. Tous, ils doivent se référer au Conseil, à la décision du Conseil supérieur de la magistrature qui gère tous les magistrats et les juges. N'est-ce pas? Mm-hmm. Depuis que le président de la République a fait la nomination, nous sommes maintenant à combien de 4e jour? Je ne sais pas, on va vérifier. Mm-hmm. Nous n'avons pas encore atteint depuis que le Conseil... Mais encore 3 semaines. Ah, depuis, bon, il reste encore une semaine. À ce moment-là, moi, à la place de ce juge, nous pouvons seulement aller voir le premier président de la Cour de cassation. Bon, nous écrivons, nous intégrons notre corps. Même là aussi, il y a des juges, il y a des magistrats là-bas. Ils ne sont pas morts, ils vivent, ils ont leur salaire. Au contraire, ils ont de très beaux salaires aussi. Ils sont sécurisés par l'État congolais. Hein? Donc, il ne faut pas... Ça, ce n'est pas le problème des chefs de l'État. Est-ce que le président Gabriel Moukassa... Vous ne voyez pas. Si c'était le régime passé, un juge qui pouvait se comporter comme ça, son sort, c'est quoi? Président Moukassa. À l'année, hein? Une question directe. Voilà. Une question très directe. Pourquoi les ordonnances du chef de l'État, à tout moment, c'est contesté? Ça crée toujours des problèmes. C'est parce que le chef de l'État, il n'est pas bien entouré, ou soit parce qu'on fait les choses à la va-vite? Le chef de l'État a une relation de jeter moi non plus avec le FCC. C'est normal. Le FCC était au pouvoir, a échoué. Maintenant, eux aussi, ils veulent que lui puisse échouer. C'est pourquoi c'est sauté qui crée ces manigances. Moi, je soutiens le chef de l'État. Tu sais, les difficultés que j'ai au niveau du ministère des Finances, c'est pour toucher l'argent. Je deviens comme un ennemi alors que ce sont mes droits. Maintenant, pour que je dise quoi au chef de l'État? Je ne le dirai rien au président de la République. Je ne le dirai rien parce que ce sont ces gens-là qui sont en train d'humilier le chef de l'État au travers des gestes qu'ils posent vis-à-vis des gens qui les soutiennent. Le ministre des Finances me trouve comme son ennemi alors que je n'ai rien à voir avec, c'est mon propre frère de l'Équateur. Mais voici ce qu'il me fait. Vous voulez que le chef de l'État fasse quoi? Lui, il observe. Les autres estiment. Mais quand vous m'invitez dans une... Il y a trop d'erreurs. Erreurs de quoi? On ne respecte pas souvent la procédure. Attendez un peu. C'est parce que vous dites que non, il a fallu que le premier ministre signe. C'est contre ça. Alors. Mais le premier ministre était en voyage. Il y avait son adjoint qui est garanti par la Constitution. Mais ça, c'est vous qui êtes en erreur. Gilbert Kankonde. C'est vous qui êtes en erreur. Vous faites des aventures seulement pour chercher, comme les gens de Facebook. Quand ils commettent les erreurs sur Facebook, nous on ne dit rien. Mais quand vous commettez même sincèrement, on commence à dire, non, il n'est pas intelligent, il ne connaît pas les Français, tout ça. Vous êtes déjà des Parlons jusqu'à ce niveau maintenant. Selon la loi, on ne devait pas prendre des juges dans la même
composantes, mais les deux juges là se trouvent dans la même composante. Il y a déjà... Kabila ici a nommé chaque fois quand il nommait ici, parce que lui il avait la gâchette facile. Parce que lui, il est venu de la rébellion, c'est pourquoi vous le craignez. Mais l'autre qui est venu de l'opposition, vous dansez, vous le citez. Vous parlez de Zolo Bambi. Je ne cite pas des gens. Oui. Bon, moi, je parle de ma façon. Maintenant, comme lui, il est trop pacifique, alors c'est pourquoi vous voulez toujours monter jusqu'à sa tête. Est-ce que... Non. Est-ce soyez quand même raisonnable. Vous prêchez l'état de droit. Oh, est-ce Dieu. Qu'il fallait se servir des erreurs des autres pour justifier votre état de droit, ou soit il fallait faire mieux par rapport à l'autre. Mais il fait mieux. Il fait mieux plus que tout le... Pourquoi des contestations fait... Mais vous êtes des adversaires. C'est de... pas le vous êtes des adversaires des chefs de l'État. Vous cherchez seulement l'époux dans sa tête. Mais lui, il n'a pas de cheveux comme moi. Mais vous n'allez même pas trouver ses fous. Dit que j'étais pas au courant. C'est son premier ministre, le chef du gouvernement. Le ministre de la sécurité, il a répondu, il a dit, tous ces dossiers étaient dans son cabinet. Qui est Gilbert Kankondé? Ah, mais si maintenant le premier ministre ne sait pas lire, ou il refuse de lire, il fait du FCC, on doit se mal attendre parce que lui il est qui? On a prêté serment, il n'y avait pas Alexis Thambo Mamba. Oh. Le président. Mais c'est là, est-ce que vous pouvez aller chasser les juges et les magistrats que nous avons nommés? Mais la présence. Si ceux-là n'étaient pas là, peut-être ils n'avaient pas de carburant dans leur voiture. Ils n'avaient pas de carburant peut-être. Ou bien ils avaient trop bu la nuit, alors ils étaient fatigués. Mais il y avait leurs adjoints qui étaient là. Les grandes institutions devant un tel événement quand même, ça dit beaucoup. Bon, dis-moi maintenant. Vous gérez par deux alors. Quel est le comportement du chef de l'État? Il les a seulement regardé comme ça. Là, vous gérez par deux filles. Il les a seulement regardé comme ça. Parce qu'ils trouvent qu'ils ne savaient pas ce qu'ils sont en train de faire. Jésus-Christ avait dit, non, Père, pardonnez-les. Ils ne savaient pas ce qu'ils sont en train de dire. De faire. Jésus-Christ lui-même, qui peut nous transporter, il peut me prendre ici tout de suite jusqu'à dans ma maison, sa voiture, sa avion. Mais il a dit, Père, pardonne-les. Il ne savait pas ce que tu... C'est la même chose, Félix, il a déjà répondu. Je le pardonne, il ne savait pas ce qu'il soit dit. Est-ce qu'on a déjà convoqué quelqu'un? Mais la CNS a convoqué quelqu'un, a menacé quelqu'un? Rien. Le chef de l'État, comme vous dites, a bêté en Okara, parce qu'il trouve que. Ils sont ensemble, mais ils se sont constitués de ses adversaires pour les salir. Qu'ils les salissent. Nous avons dit, continuez à nous salir de cette façon. Continuez à nous salir. Mais c'est nous qui signons les ordonnances. Voilà. Vous comprenez les ordonnances. C'est lui qui signe les ordonnances et on ne peut pas jouer. Comme toi, tu kérolles ici. Tu trouves que le chef de l'État, c'est comme ça. Le chef de l'État peut être nommé tout de suite ministre des Affaires foncières, ministre des Affaires étrangères. Il peut être nommé tout de suite ADG de ceci, tout ça. Il peut être nommé tout de suite. Et tu vas aller travailler. Tu vas aller travailler. Mais tu oublies ça que c'est lui qui gère, c'est lui qui nomme. Voilà. Mais toi, tu kérolles contre lui. Oh là. Président Mokia, je ne fais que poser des questions. Si on nomme, on me nomme, ce n'est pas un problème. Je suis licencié. Je veux bien me défendre. Alors, maintenant, je ne suis pas venu laisser les gens. Pourquoi maintenant tu es contre celui qui nomme? Non, je ne suis pas contre. Tu es tenté de minimiser celui qui nomme. Mais le souci, c'est que nous puissions respecter l'État. Vous savez, qu'est-ce que nous pouvons dire? Moi, encore, les chiens aboient, la caravane passe. Vous avez aboyé ici pour les non-nominations. Mais les magistrats sont là, ils travaillent. Ça devient par défi. Nos généraux, colonels, tout ça nommés, ils sont là, ils travaillent. Parce que vous en toi, parlez... prenez ces gens-là pour aller les faire sortir. Parce que vous en parlez. Est-ce que vous allez rentrer à la maison? Parce que vous avez parlé de nos généraux et colonels. Chiton, par cela, l'insécurité à l'Est continue toujours, persiste toujours, les gens meurent. Si vous avez regardé... On est en train d'identifier les fauteuils des troubles qui sont ici et à l'Est. Bientôt, vous aurez des nouvelles. On est tenté d'identifier tout le monde. On est tenté d'identifier tout le monde qui embête les peuples congolais. Vous comprenez? Le chef de l'État n'est pas venu gérer les cadavres. Il est venu gérer les peuples. Maintenant, si vous, qui avez mal géré, qui avez été des pyromanes dans cette affaire, vous continuez toujours à être des pyromanes, nous allons éteindre les faits nous-mêmes. Merci, Président Mokia. Une minute, regardez la caméra parce que vous parlez des problèmes de vos maisons. Vous voulez que la République reconnaisse que vous avez droit, vous avez même lancé défi à tous ceux qui peuvent intervenir pour vous donner raison. Alors, un mot de la fin,
qu'on retienne quoi par rapport... On doit retenir ceci. La vente publique de l'immeuble est régie par une loi de l'ordonnance du 12 novembre 1886. Après la vente publique, le président du tribunal de grande instance est tenu de signer une ordonnance accompagnée de réquisitions des forces de l'ordre du procureur pour chasser les gens qui habitent là. C'est ce que les services peuvent retenir. C'est notre cas. Nous avons acheté ces maisons auprès du tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe. Et nous avons des arrêts. Les voleurs qui sont là doivent être chassés par l'ordonnance. Tout ce qu'on fait comme manœuvre, allez voir le professeur Félix Vundao, allez voir ce juge avec de l'argent, tout ce qu'ils sont en train de faire là. Et vous savez, le dossier là est arrivé comme ça. Un grand dossier pour rien, un dossier vide. Donc ce sont les malfaiteurs qui se sont constitués par un avocat, un seul avocat. Moi je vais poursuivre cet avocat après, maintenant je le laisse faire. Il est tenté de violer l'article 14 de la loi sur les barreaux. C'est-à-dire que si vous trouvez que votre client n'a pas raison, il ne faut pas continuer à le défendre pour embêter. Il y aura des sanctions contre cet avocat. Tous ces avocats de Ngweka Sanji et l'avocat de Siaparone, tout ça, auront des sanctions. Alors, ici, la justice élève une nation. Moi, j'ai amené ces dossiers preuve à l'appui. J'ai amené les dossiers. On a tripoté dans ces dossiers les numéros de la lettre 098. N'est pas celui qu'on a rendu les référés par trois juges, Kaungu, Odia et Mavungu, pour tromper l'opinion moyenne. Et ces gens de magistrats doivent quitter notre magistrature parce qu'ils ont leur problème. Merci. Dans leur corps. Merci. Et puis en plus, j'ai droit de récupérer les maisons qui ont fait l'objet d'une vente publique. À bonne et difforme, nous avons le certificat obtenu depuis 1996. Le certificat que l'Ngweka Sanji a obtenu, c'était par violation de l'article 231 alinéa 4 de la loi foncière. Tout juriste, tout Congolais, même celui qui n'est pas juriste, va acheter ce livre, c'est $20. Lisez l'article 231 alinéa 4. Merci. Article 204, 205, vous allez voir que moi qui a raison. Nous avons acheté les maisons en 1996. Les Ngweka Sanji sont venus à servir de ces maisons. Quand moi j'étais à prison, en 2013, merci. 2014, 18, 19, c'était que pour embêter l'État congolais qui a touché l'argent, merci, qui était dans nos poches. Et l'État garde, merci, les maisons, l'État garde l'argent. Non, on ne peut pas amener, merci, l'État congolais à l'escroquer. Merci, Gabriel Mokia, vous avez compris le cri d'alarme de monsieur Gabriel, le cri de larmes de monsieur Gabriel Mokia concernant ces maisons. Nous sommes dans un état de droit. Alors cet état de droit ne doit pas être sélectif. Alors chacun de nous, s'il estime qu'il a raison, l'État est censé vérifier, voir s'il a raison et lui remettre dans ses droits. Vous avez compris, il n'est pas un juriste, mais je peux dire qu'il est devenu juriste pratiquant parce que à tout moment, il est toujours devant les causés tribunaux pour... Et je demande au procureur concerné de me convoquer. Voilà. Et j'apporte ces documents quand même. La demande, hein? Reste fidèle. Nous, on nous arrête toujours. Reste fidèle pour à nos programmes. Dans nos télévisions. Mais je suis là. La TV, c'était Delphine Kassoumo Kabengele derrière la caméra. Merveille à Goloa, la réalisation aimée Bidoya, la coordination Gilles Chitumba, la programmation Bébé Bercy. Un grand merci à notre président Roger Mbala pour la confiance. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir. Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, tu revendiques et tu protestes. Moi je ne fais qu'un seul geste. Je retourne ma veste. Je retourne ma veste. Toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs ni même des agitateurs. Je fais confiance aux sélecteurs et j'en profite pour faire mon beurre. Tu revendiques et tu protestes. Bah je ne fais qu'un seul geste. Je tourne ma veste. Je tourne ma veste. Toujours les bons côtés. Je suis de tous les partis.
je suis de toutes les patries, de toutes les propriétés. Je suis de toutes les parties, je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Il y en a.